il faut donner beaucoup d'attention pour rendre ça comme une approche dominante. Alors, je vais vous parler de cette initiative importante. J'étais impliquée dans ça en 2017 et je me rappelle de la date parce que c'était la date où ça m'a changé. J'ai changé la pensée, ma façon de penser sur la nature et l'agriculture. J'étais un activiste pour pas mal de temps, depuis beaucoup d'années. J'étais le chef du bureau spécifique des Nations Unies, mis en place par Ban Ki-moon. Et j'ai rencontré Vijay Kumar pour la première fois le 31 juillet 2017. Alors, ce que j'ai vu était extraordinaire pendant la première visite et j'ai pas vu des choses qui peuvent changer ma point de vue. Ce que j'ai vu à partir du premier jour est qu'il y a trois raisons pour lesquelles ce projet est extraordinaire. Première, les résultats positifs de santé publique sont incroyables et on peut répéter ça à une échelle qu'on n'aurait jamais songé. On a imaginé des possibilités, bien sûr, mais il n'y avait pas de preuve d'adoption d'échelle et donc c'est quelque chose qui est vraiment positif. Deuxième, l'échelle de mobilisation sociale. Il y a eu la participation des femmes et des groupes de différentes personnes pour réaliser le potentiel. Et le troisième point, le type de partenariat international que nous avons en place. Je suis vraiment très fière de faire partie de ce projet en tant que l'Alliance globale pour une planète durable. Pour travailler en Andhra Pradesh depuis le début et de travailler avec les collègues incroyables. Alors, comme Vijay a dit, il y a des gens qui se plaignent du fait qu'il n'y a pas assez de ressources. Mais ici, nous avons une possibilité de changer le paradigme. Je vous explique. L'Inde dépense environ 13 milliards de dollars dans des subventions pour les engrais, les pesticides, et puis il y a aussi les dérogations de prêts. Ou pour des subventions pour d'autres points en ce qui concerne la fertilité du sol, etc. Et c'est ici où nous avons l'opportunité. L'Inde dépense environ 42, 43 milliards de subventions liées directement à l'agriculture. Et d'ici 2030, on arrivera à 50 milliards. Donc voilà, c'est juste une projection si on regarde les 10 dernières années. Et dans l'avenir, on aura une perte plus importante de la qualité du sol et dégradation climatique et des dégradations sur l'échelle climatique et microclimatique. Alors, ce que Andhra Pradesh ont fait et le montant d'argent qu'ils ont besoin pour cette transformation sur une échelle communautaire qui augmentera après vers les subdivisions, les districts, la région, etc. C'est le programme d'agriculteur vers agriculteur le plus étendu, le plus grand du monde. C'est une opportunité, pas seulement pour la province, mais je parle de l'Inde en général.
C'est pour ça que je parle des impacts sur une grande échelle. En Inde, nous avons des agriculteurs qui ont une résilience de 6 mois, donc d'une culture à l'autre. Donc, ils envisagent des changements. Donc, nous voyons ces femmes agriculteurs d'Andhra Pradesh pour leur travail incroyable. Et si on parle des risques, il y a la science qui nous montre les résultats. Et imaginez les impacts d'Andhra Pradesh, imaginez les impacts sur les agriculteurs des petites exploitations. Avec Vijay, quand on a commencé cette discussion il y a environ 5 ans, on parlait des financements pour les subventions pour les agriculteurs. Donc, si nous avons 120 millions d'agriculteurs et on a besoin du financement, on parle d'environ 25 milliards de dollars pour un projet sur une grande échelle en Inde. Et ici, on parle de lutter contre la pénurie en eau, améliorer la santé humaine et aussi les richesses du pays. Donc, à chaque niveau, il y a l'engagement et nous devons vraiment augmenter notre action. Le Premier ministre l'a dit lui-même en 2019 à la COP en Delhi. Il a dit qu'on veut faire de l'agriculture naturelle. C'est enregistré, il l'a dit. Je n'ai pas vu des chefs de pays, de gouvernement qui disaient « Oh, c'est incroyable, on veut le soutenir, nous aussi. » Mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Quand il y a des pays comme l'Inde dit quelque chose comme ça, il faut arrêter de parler de d'autres sujets. Nous devons parler de l'adaptation, parce que l'adaptation, c'est parler des personnes, des jeunes, des subsistances, les écosystèmes, et aussi c'est d'aider les pays sans devoir payer beaucoup d'argent. C'est un coût neutre pour l'Inde parce qu'on peut utiliser l'argent qu'on dépense pour d'autres choses, pour faire cette transition. Et on sera tout fiers d'avoir ce changement de paradigme. Je m'arrête là, mais je suis disponible pour des questions si vous en avez.